Ces nouveaux 8 étudiants viennent renforcer les quelques 1200 conducteurs de la Sémitane à Nantes. En contrat sur 3 ans, ils assurent 35 samedis par an et les vacances scolaires. Ils sont donc parfois très jeunes, ce qui peut surprendre. Ça m'est déjà arrivé de descendre de mon tramway, qu'on me regarde avec un étonnement, en mode, c'est lui le conducteur. Donc c'est vrai, même ma famille, mes amis, quand je leur disais bah, je vais conduire des tramways, ils me disaient non, tu rigoles, c'est pas possible, t'es trop jeune. Et c'est vrai que c'est assez rigolo, mais ce qui est tout à fait normal en même temps. Pour cela, les candidats au pilotage de tram ont simplement envoyé leur candidature et une fois retenus, 4 semaines de formation les attendaient. 3 semaines d'exercices pratiques, d'apport de notions et de connaissances. Et ensuite, on a une semaine, 3 jours complets de conduite accompagnée, comme en voiture. Et voilà, pas plus difficile que ça, mais être aux commandes d'un véhicule qui vaut 2 millions d'euros et qui peut transporter jusqu'à 200 passagers, ce n'est pas anodin. Oui, on a la responsabilité du matériel, donc du tramway et des gens à l'arrière. Et ça, il n'y a pas d'appréhension ? Un petit peu, hein, si. Quant au salaire, payé sur la base du SMIC et étalé sur l'année, il assure 600 euros par mois, un bon job d'étudiant et une entrée plutôt originale dans la vie active.